tout le monde comment ça va aujourd'hui Mon dieu, j'ai 11 frames par seconde 9 19 wow euh, ouais c'est ça <laughs> comment ça va aujourd'hui moi ça va bien comme d'habitude je suis en train de renommer mon robot je l'appelle R2D2 il y a Zirage qui voulait je l'appelle Zirage mais je peux pas. <laughs> euh, suggestion de 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 neuf, deux secondes je vais voilà les commentaires vite fait qu'est-ce que vous en pensez Me donnez vous deux secondes s'il vous plaît comment J'y vais parler. <laughs> que vous le voyez ou non. Que vous le vouliez ou non. Ok, commentaire vite fait. On, on va passer à travers. Ce sera pas long. Vous allez voir. Euh, ta -ta -ta. Tristan Rona qui me dit que je vais mettre des upgrades d'énergie dans mes machines. Très bonne idée. Puis euh, justement, j'ai joué aujourd'hui. Puis j'ai complètement oublié de faire ça. Mais c'est pas une urgence parce que les machines, comme sont configurées en ce moment, fonctionnent très bien, ils fonctionnent, ils ont les performances que je veux, puis ils ne consomment pas trop d'énergie, fait que c'est pas la fin du monde. J'ai Zirage qui me demande d'appeler mon robot Zirage, mais j'ai dit non, mon robot il est bon en de Patrick, quel de Poutine, je peux pas l'appeler Zirage. Il y a Blake qui me demandait comment changer les fichiers de configuration dans Resonant Rise, j'y expliqué, il m'a dit merci. Donc euh, je suppose qu'il a réussi. Euh, C'est Lucas Le King qui me dit d'appeler mon robot R2D2. J'ai aimé l'idée. Fait qu'il s'appelle R2D2 maintenant. Euh, Tristan de Cuir. Pourquoi ne pas faire une ferme à bois plus grande ou en plus pour en faire tourner des steam boilers? En plus qui pourrait faire tourner des steam turbines de Big Reactor. C'est une idée, je vais sûrement essayer ça un jour, mais pas tout de suite. Euh, pour le moment, j'ai amplement d'énergie, comme j'ai dit. Euh, avec mon gros réacteur nucléaire que j'ai mais euh, ça c'est définitivement quelque chose que je vais essayer éventuellement. tout! il euh, y a Twin Max qui me dit tu sais le problème euh, dernier épisode j'avais un problème c'est que mon nouveau système produisait un, un autre type de lingot comme euh, le cuivre. Tout le monde sait que cuivre il y a différents modes, chaque mode il y a son type de cuivre puis là euh, si dans une recette j'utilise euh, je dis mon système prend tel type de cuivre puis là il en manque ben il prendra pas l'autre type de cuivre parce que c'est pas en tout cas c'est le bordel, c'est chiant. Puis moi, je l'insiste aussi que tout serait converti au même cuivre. Là, c'est là que Twin Max. Euh, me fait remarquer que Mindfire Factory Reloaded, il y a un bloc qui fait ça. Ça s'appelle le Unifier. J'ai répondu, ça prend de l'énergie pour tout ça. Euh, mais j'ai trouvé une solution encore plus merveilleuse. Je vais te montrer soit Twin Max dans deux secondes. Merci quand même pour la suggestion. Tu m'as lancé sur la bonne piste. Il y a Internet qui... Je tiens à préciser que non, les hommes ne sont pas supérieurs aux femmes. <laughs> je sais qu'ils sont pas supérieurs aux femmes. <laughs> euh... Qu'est-ce que je m'en vais dire? Wow, J'ai perdu le cours des passés. Je sais pas pourquoi. Je ne peu pas pensé à d'autres choses. Ma tête se promène d'un bord et de l'autre. Euh, non, les, les hommes ne sont pas supérieurs aux femmes. C'est plus ce que je voulais dire. C'est que moi, je suis supérieur à tout le monde. Oh my god, si ma copine m'entendait, elle, elle m'arracherait la tête, en tout cas. Euh, Tristan Lecuer qui me dit de mettre des energy Upgrade. Euh, oui, c'est ce que, comme j'ai dit tantôt, euh, c'est une bonne idée, mais pour le moment, c'est peut-être pas nécessaire parce que mes machines ne consomment pas euh, autant d'énergie. Là, il y a encore Eternanet qui me fait remarquer euh, que les machines, mécanismes, on peut les settler. Il y a vraiment plusieurs étapes, c'est relativement complexe, mais on peut les mettre jusqu'à temps que. Euh, ils peuvent produire cinq fois. Je veux dire, un minerai de fer me donne cinq lingots au bout du compte. Peu peut multiplier par 5 nos minerais. Ça, c est, c est, ça serait génial dans un sens. Ce euh, serait génial juste de l'essayer parce qu'honnêtement, je ne manque pas de matériel et je suis loin d'en manquer. Donc c'est pas une nécessité, mais j'aimerais ça l'essayer, mais c'est complexe. Euh, je sais pas si je vais me lancer là-dedans. Je l'ai mis au défi de, de le faire et de faire une petite vidéo pour nous montrer ça, mais assez trouvé plein d'excuses pour pas le faire. J'ai... Ah oh, j'ai pas une bonne connexion! Oh, euh, les, les planètes sont pas alignées. Euh. <laughs> Mon signe astrologique me dit que je devrais pas... J'invente, elle n'a pas dit ça. Elle dit qu'elle n'avait pas une bonne connexion, ça c'est vrai, mais le reste j'ai tout inventé. Comme d'habitude. Ça, c'est cuit. Ouais, ouais, viens avec moi. Euh, aujourd'hui, je pensais à ça. Moi, ce que je voudrais travailler tout aujourd'hui, parce que là, ça me titillait le citron un peu. Euh, allons voir ici. Et marquons. Hein, le Hunter! Il m'en reste 31. Il m'en reste assez pour faire des affaires, mais là je me dis, ah là je vais en manquer. Il faudrait que j'aille euh, euh, à mon spawner en bas ici. Mettre la chose Enderman. Puis là faire spawner d'Enderman. Puis là quand j'ai assez d'Enderpearl, venir arrêter la machine. Puis euh, tu sais, je suis pas paresseux. Fait <laughs> j'ai dit, faudrait que j'invente un système que quand qu il voit que euh, mon nombre de pearl est rendu bas, mon niveau d'Enderpearl est rendu bas. Il va euh, en produire. Je veux dire, partir un spawner, grinder des Endermen, et euh, faire les Underpearl. Fait que euh, là-dessus, c'est... Là-dessus. C'est sur ce que je vais travailler aujourd'hui. Du moins pour commencer. Après ça, j'ai le temps, je vais commencer d'autres choses. Là, je suis en train de penser où... où, où, où je mets ça, hein? Là, je me suis fait une cage d'ascenseur ici. Euh, ici, est-ce que je mets ça ici? Je pourrais mettre ça dans le coin ici, je suppose. Ce serait peut-être un endroit comme un autre, peut-être ici. Moi, je pense que je vais le mettre dans le coin ici. J'ai besoin d'un endroit 5 par 5 avec des murs doubles. Huh. Huh. Bon, euh, je vais construire une pièce appropriée parce que c'est un spawner. Ce n'est pas un système que vous avez jamais vu de votre vie. Euh, fait que je vais travailler là-dessus. Euh, je vais au moins faire la pièce. Peut-être installer Spawner des affaires là. Euh, mais pour ce qui est le système de contrôle lui-même, qui va dire au système, ok, spawn the Endermen, puis euh, détruire les ou non, on fait rien. Euh, ça, je vais vous ramener, vous montrer, c'est quoi mon idée. C'est pas quelque chose de complexe, mais euh, vous allez dire, ah, pas fou Chuck, t'es pas fou. Mais enfin, t'es fou, mais t'es pas stupide. <laughs> euh, fait que je me fais une, une pièce en haut, pour accepter mes machines, puis euh, quand je me sens prêt à vous ramener, je vous ramène, ok? Euh, je vous ramène vite fait, euh, j'ai pas fini. Euh, ça fait à peine une minute qui est passé depuis que j'ai arrêté le ce segment. C'est juste que je voulais de vous montrer ma solution pour les affaires des lingots qui n'étaient pas comptables. C'est les lingots qui sont tous différents. Euh, c'est ce bloc-là ici, on voit en haut Automatic or Converter. Euh, grosso modo, ça convertit les lingots en d'autres lingots. Euh, comment ça marche? Vous prenez cette machine-là, vous dites quel type de lingot vous voulez, qui est votre préféré. Dans ce cas-là, moi c'est ce type de cuivre-là que je voulais. Euh, fait que vous mettez cela, ça c'est le target, la cible, c'est ça qu'on veut atteindre. Et... Ah là, j'en ai pas d'autres pour vous montrer l'exemple. Le... On va partir le. Hmm. ben, vous voyez, ça c'est le cuivre que je ne voulais pas. Qui vient de mécanisme qui vient de cette machine-là ici. Euh. C'est le cuivre que je ne voulais pas. Je veux que toutes les cuves que j'ai, vous voyez, ça c'est on voit copper ingot en bas, mécanisme. Moi, ce que je veux, c'est le cuivre. Euh, ça, c'est thermal expansion. C'est ce cuivre-là que je veux. C'est ce cuivre-là que j'ai programmé dans mes recettes en bas, dans mon sous-sol. Euh, donc, c'est ça que je veux faire. Quand il voit ça, mon système, il envoie ça ici dans cette machine-là. Cette machine-là, quand vous voit c'est du cuivre, elle ah c'est ça qu'il veut, fait qu'elle convertit. Elle me fait ce cuivre-là, elle le met ici. Puis là, ici, j'ai un extracteur qui extrait euh, les lingots. On va partir de la machine, on va peut-être l'avoir en fonction, malgré que ça va être un peu compliqué parce que c'est extrêmement rapide. Euh, ça fournit amplement mon, mon, mon méga mineur. On va le partir pareil. Vous allez voir, il y a des minerais qui vont se rendre là. Et voilà. Ils vont être pulvérisés très rapidement. Très rapidement. Oui, non. Euh Pourquoi? Pourquoi il n'y a pas ça? YouTube bouche. Non, t'es où, mes minerais? Ah, oh, merde. Il y a une connexion ici. C'est mon nouveau système. Non. Oh. Ça allait dans le pulvérisateur, n'est-ce pas? Juste pour me faire suer. bien sûr. <laughs> ok. Euh, on, on enlève ça. Arrête ça, toi. Non, t'es un vilain petit garde-mort. Ok. Comment on ah, le lag. Je déteste le lag. Vraiment, il faudrait que j'enlève toutes ces feuilles-là. Ça devrait aider pour le lag. Malgré que peut-être pas. On vient de même. On vient de même. On vient de même. Bon. Alors, les machines sont parties, les pulvérisateurs, c'est pas grave si on se du minerai. Ils vont s'en occuper, ils vont le pulvériser et tout ça. Euh, mais là, on voit les petites poudres qu'eux autres font. Que eux autres font. Gage des misères. <laughs> euh, et ça va être envoyé euh, au fourneau, qui vont être cuits. Après ça, ils vont s'en venir ici pour être transformés dans les bons lingots. On va peut-être en voir passer. Hmm. Faut qu'ils soient cuits, après ça, ils vont s'en venir. Viens-tu? Ouf, bon, mes deux heures. Mes deux heures vont être des, des créatures dehors et attaquent. Ah, et voilà. Vous avez vu comment vite ça leur rentré et ça leur sortit? C'est vraiment. C'est comme si c'était juste un tuyau. Ça fait juste passer. On va regarder encore. Regardez bien faire la boucle. Les lingots faire la boucle dans la machine. Prochaine batch qui s'en vient. Doit être avec. Et voilà. Fou! Et Pratiquement instantané. On va attendre deux secondes, on va devoir un autre batch qui s'en vient de pas grand-temps. Commande, 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 baby. Ah, tu, il y a une batch qui a passé, mais ça va tellement vite que on n'a rien vu. Mais ça marcherait bien, ça convertit mes lingots fait que j'ai pas de lingots de d'autres sortes que ceux que je veux. Euh, preuve à la on va aller voir dans le système. Ingot. Euh, j'ai juste le cuivre là Si vous remarquez, j'ai aucun autre cuivre. Ça, c'est pas du cuivre, c'est du Ouh une ingot. Euh, j'ai pas d'autre euh, tin que le tin que je veux. J'ai pas d'autre silver que le silver que je veux. Tout elle, se fait automatiquement. C'est génial. Je vous dis, ce bloc-là, c'est génial. Le auto-or-converter. <laughs> je me c'est ça. Euh, fait que c'est ça. Je vous repasse sur pause. Puis là, c'est vrai, je vais faire la pièce en haut. Puis je vais faire mon auto-spawner. Puis tout le, le truc que j'ai dit avant, tantôt. Ok, je reviens. Ça va là. Mmh, belle vue d'ici. Sauf que la neige, puis ça, je suis moins. Euh... <laughs> je ne suis pas un fan. <laughs> euh, Puis, dans pas grand temps, il va en avoir partout ici. Hum, on va sortir notre euh, sac de couchage. Hein? On peut se coucher, on peut se coucher, on ne peut pas se coucher. Comment je, je vais faire de dos, je vais faire de dos, je vais faire de dos Parce que si je fais pas de dos, mes lasers vont tirer toute la nuit. C'est vraiment bruyant, c'est vraiment euh, fatigant. J'ai essayé de mettre un sound muffler qui appelle l'affaire qui, 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 qui assourdit le bruit. Euh. Ces affaires-là, c'était ce type de problème-là, mais malheureusement, ça ne marche pas avec les ensembles. Je quand même vous me dites dans les commentaires Chuck, mais il semble ma feu Ben non, non, ça ne marche pas. Ok, euh, là, tu, tu, tu. L Énergie, je devrais le faire rentrer directement en dessous. Là, j'ai mis ce bloc de dirt-là, pour rien de là, parce que j'aurais pu juste mettre le spawner sur ça. Uh -huh. Et j'ai besoin, j'ai besoin, j'ai besoin, j'ai besoin d'amour. Ah oh oui. Avez-vous besoin d'amour, vous autres? Hein? Ok, il est alimentant en énergie. Euh... Là, je suis en train de penser. Est-ce que. Bon, hmm. ouais, je ne me casserai pas la tête. J'ai besoin de tout ça ici ça c'est ça qui va envoyer le signal de s'allumer ou s'éteindre à ce gentil petit monsieur. Ça, on va mettre ça de même. Ça, peut, je peux laisser la porte ouverte dans le fond parce que c'est des C'est trop de haut, fait qu'ils passeront pas dans ce porte là, fait que je peux laisser ça droite de même. Il n'y aura pas de problème. Yeah, bingo, bango. Oui madame. Ok. Euh, ok. Je le mettrai pas tout de suite parce que je veux pas que ça commence à spawner tout de suite. Ça va me prendre mon grinder qui va être ici, que va falloir je mette de sur l'autre sens. Point. Là, en arrière du grinder, je vais y mettre ce petit coffre-là qui n'est pas tout à fait prêt parce qu'il faut que je mette ça pour indiquer. Parfait. Ça, c'est supposé absorber. C'est absorbant. Si jamais vous allez aux toilettes, euh, ça vous prend un coffre de Ça va absorber. <laughs> vous avez un enfant en couche, mettez-lui un coffre, un deux chest. Ça va absorber. OK. <laughs> OK. Euh... Fait que ça, ça va envoyer le signal pour le dire de s'éteindre. Euh, comment est-ce qu'on va savoir? Là, il y en a de vous autres peut-être qui vont dire Mais Chuck, pourquoi tu ne prends pas Applied Logistics? Euh, parce que c'est trop facile. Je veux essayer un autre système, je veux d'autres situations. Si jamais je un jour, je joue un mode pack qui n'a pas d'Applied and Logistics, ben, je vais avoir une autre solution. Là, je travaille sur quelque chose qui... Euh, qui devrait fonctionner. Je dis qu'il va fonctionner. Je m'en l'ai dit que ça, ça va fonctionner, mais je ne sais pas encore. C'est ça qu'on va essayer aujourd'hui. Aujourd'hui. Mais là, on va faire des tests. Là, ça me prend un... quelque chose que je n'ai pas avec moi. Ah, un peu on va le commander. On a une télécommande. Là, je ne sais pas pourquoi je chante Indiana Jones. Ça n'a aucun rapport. Je ne sais pas pourquoi c'est mis en tête. Euh, là, je vais peut-être faire venir un autre coffre au cas où que le coffre en fer ne fonctionne pas. Même que je n'ai pas besoin des coffre en fer pour ce que je veux faire. Donc je vais carrément prendre le coffre en bois qui s'en vient éventuellement ici dans mon inventaire d'être là. Now! Euh, non! Ouais, bon, tu vois, hein, Je suis tant aimé. Je suis synchronisé, ça n'a pas de bon sens. OK. Comment ça va marcher? Euh... Hmm. Il faut faire que je passe un tuyau, j'ai tu, pas oublié le tuyau. Est-ce qu'en dessous ici j'ai des tuyaux proches? J'en ai là-bas. J'en ai ici, j'en ai là. Ah, hmm. euh, J'aime ça. <laughs> ok. Avant de... Tester, là on met ça là. Pour que ça connecte. C'est lui qui va faire le choses. Ah, j'ai pas de redstone, ça me prend du redstone. Regardez bien ça. Oups, pas ça que je voulais faire, mais pas, pas en tout. Redstone, baby! Allez, poupée, montre-moi ton redstone. Ouais. Mais qu'est-ce que tu mijotes? <laughs> euh... eh, c'est ça. OK, là, regardez bien ce que je veux faire. Vous allez comprendre, vous allez dire, « Chuck, 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 t'es pas aussi stupide que tu l'es en réalité. » Euh, OK. Comparateur. On met ça là. Là, le comparateur, lui, il envoie il un signal d'une certaine puissance, dépendamment de la quantité d'items qu'il y a dans l'inventaire qui euh, est à côté de lui. Fait... Que, si je mets ça, puissance 1, ça va jusque-là. Si je commence à mettre des items, ça va monter. Tiens, question de... Ça monte tranquillement pas vite. On va continuer à mettre des items, on va voir. J'aimerais ça de l'amener. Ah, oh, ça prend encore. Comme ça. Là, on voit, il serait rendu jusque là. Il y a un système. Ça, s'est arrêté, ça ne fonctionne plus. Commencez-vous à comprendre ce que je veux faire? C'est pas bien compliqué. Euh, ce que je vais faire, grosso modo, c'est que je vais faire envoyer les enderpearls là. Puis quand il va atteindre un certain niveau, ben, il va, ça va désactiver le spawner. Euh, puis ça va arrêter de, faire, de fabriquer les enderpearls. génial non toi vous pouvez le dire c'est génial puis je pense comme je l'ai là c'est parfait fait que demain euh, je vais creuser un trou ici avant ah ben tiens il y a justement les tuyaux de d'arrêt là c'est tout pas génial c'est vraiment pas c'est le fun hein? quand tu... vous ne calculez pas des affaires puis que ça tombe vraiment pile pile poil comme vous le voulez. Pourquoi zigone le tuyau là? Zigonner. Les Québécois savent qu'est-ce que ça veut dire. Vous les. Fait, question aux Français, euh, aux Belges, aux Européens ici. Euh, fait que les Québécois. Chut, pas un mot. Qu'est-ce que ça veut dire zigonner? <laughs> Puis vous n'avez pas le droit d'aller voir sur Google. Malgré, je pense pas que ça soit sur Google. Peut-être, peut-être. Il y a peut-être un Québécois en quelque part qui a marqué la définition de zigonner. Ok. Là ici. Si vous avez deviné, si vous avez dit, Chuck, là tu vas dire Ender pearl, comme ça les Ender vont là, ben vous êtes intelligent. Fait qu'ici, c'est ici, ici qui va st st stocker les Ender pearl". Euh, là, il faudrait que je retourne dans ma petite base avec mon système de transfert de données. Ça c'est génial. Un petit système que j'ai inventé. Si jamais vous voulez faire quelque chose, en, euh, vous avez le même problème que moi. Euh, mettons... Euh, ben là, comme mes Ender Pearls sont dans mes coffres, dans mon inventaire en bas là. Je les veux en haut là. Mais ça ne me tente pas de toutes charrier à jusque là. Fait j'ai inventé un petit système. Ici, j'ai un Request Logistics Pipe. Je vais faire juste pour commander des items. Connecté sur un Ender Chest, un cylinder chest comme celui-là ici. Ce que ça fait, ça commande les items, ça les envoie directement dans le coffre pour les faire envoyer <laughs> dans le système encore. Fait que là, je vais commander mes Enderpearls qui sont dans un coffre en quelque part là. Ils vont passer dans le système, ils vont aller là, ils vont aller dans l'Enderchest, chest, va les envoyer dans le système, qui va les envoyer en théorie dans le coffre que je viens de construire là. Parce que là, j'ai dit, les Enderpearls, c'est là qu'ils vont. cest pas génial cette invention-là? Fait que j'ai 19 Pearls. Et ils devraient finir dans le coffre en haut là. On retourne en haut. Oups, il retourne en haut. Là, pour ça, pour le volcan, je n'ai pas abandonné. Euh, par là. Prochain épisode, on va peut-être aller explorer encore, mais je vais m'équiper un petit peu mieux. On va, on va les avoir, les Anglais. Les Ender Pearls ne sont pas là, mais malgré que le tuyau est très long, ça se peut que ça prenne du temps à se rendre ici. Et voilà. Fait que les Ender Pearls vont être stockés ici. Euh, Celui-là, je peux les mettre là aussi. Fait que là. Si je mets euh, la chose Enderman, il va commencer à spawner des Enderman. Il va les grinder. Il va les mettre dans le coffre-là. Il les grindera pas parce que j'ai pas alimenté le grinder. Ah, l'énergie. Come on, Chuck. Allume, mon grand. Get good the program. Oui! Vous avez manqué le stream en fin de semaine Vous n'auriez pas dû manquer ça. C'était vraiment génial. On a tué le dragon en direct. Le dragon de Poutinecraft. Il s'appelait... Euh, <laughs> <Drake> Poutine, non Drac Poutine. Ok, ça ne s'appelait pas... Euh, je ne sais pas comment il s'appelait. Il s'appelait Albert. <laughs> fait que là, le grinder, parfait. Il va, des, il va, va grinder les... Hé, euh... hey, en parlant de direct, euh, je veux parler un petit peu de choses. Des gars que j'ai euh, découvert sur Twitch, génial, malgré que c'est peut-être quelque chose qui va faire, qui va être plus attirant pour les Québécois. Ouais, ben c'est Team Québec qui s'appelle Team T-E-A-M Québec, k e b -E c Eux autres qui ont un cas. Team Québec, tout dans un mot. Marquez ça dans Twitch, vous allez tomber sur leur chaîne. Le petit hic pour euh, vous les Européens, c'est qu'habituellement, ils commencent leur direct euh, vers 8h, 9h le soir ici, ce qui veut dire quoi? Euh, 2h, 3h du matin pour vous. Fait que si vous êtes debout à ces heures-là, vous pourrez y aller les voir. Mais c'est ça, c'est des collègues québécois, j'ai dit que je les trouvais corrects. Puis j'ai dit sur le stream que je parlerai d'eux autres euh, dans mon émission. Et voilà, c'est fait. Allez euh, lui dire un petit allo puis dites que c'est Kid Caneloni qui, qui vous envoie. Puis Ils vont vous, sûrement vous dire, ah cool, salut, euh, salut, toi qui s'appelle euh, Adrien. <laughs> J'imagine que toutes vous autres vous appelez Adrien. Ok, euh, <laughs> c'est n'importe quoi. Euh, ça, il faut l'alimenter en, en jus. Détail, je dis bien détail. Tiens, du jus. Bah ben, non, pas encore, il faut que je mette ça dessus. 2. 3. Et là, le jus, on tourne ça. Le jus descend en machine. Yeah, baby. Euh, là, l'Enderman. Le Enderman les Endermen pourraient euh, spawner sur le dessus ici. Fait ce que je vais faire. On va le bloquer ça. Comme ça. Ça, comme ça. l'Enderman ne peut pas spawner là. ne peut pas grimper là. Fait qu'ils peuvent juste se promener à terre. ou ce que le grinder peut le grinder Oh yeah! En théorie, ça devrait marcher. En théorie? On l'essaye-tu? on l'essaye. Fait que euh, je mets ça tout de suite là-dedans, ça va commencer à spawner l'Enderman. Euh, en théorie, ils peuvent pas sortir de là, comme j'ai dit, parce qu'ils sont trop grands. C'est des irages. Parce que Zirage est très très grand. C'est un très grand monsieur. Ah ah! Puis aussi euh, la, la gang de Team Québec ils ont un, euh, une chaîne YouTube, allez voir là. C'est surtout ils mettent leur, euh, leur direct qu'ils ont fait. Après ça, ils les mettent sur YouTube. Allez voir ça. Direz que vous en pensez. Euh, c'est peut-être pas de tous les goûts, je sais pas. Moi je les aime bien. J'aime bien ça les regarder. Mais c'est sûr, c'est des, euh, des compatriotes québécois, fait euh, J'ai comme un, un petit faible. Pour eux autres. Mais c'est ça. <laughs> Là, ça risque d'être là. Fait que, je pense, je vais laisser à la machine. On va laisser euh, Spawner d'Enderman. On va le laisser remplir. Puis, mec il soit rendu euh, pas loin, je vais vous ramener. Puis, on va le voir s'activer tous ensemble. OK? Bon, euh, c'est pas fini. Euh, c'est encore en train de se remplir. Je viens juste d'arrêter de, de l'enregistrer. Euh, se remplit tranquillement pas vite. Euh, J'avais oublié une petite composante au système qui est, euh, bien sûr, ça. Avec ceci. Un provider. Ça, c'est juste que je puisse accéder à mes enderpearls dans le système. Comme ça, je n'ai besoin. Ben, là, toutes mes enderpearls sont là. J'y ai accès. On va voir les chiffres monter en théorie. Peut-être. Non, faut que je refresh avant. Et voilà, ça monte. Fait que j'ai accès à ces perles-là. Quand je n'ai besoin, ben, je peux commander des perles. Euh, Puis là, ça monte tranquillement pas vite. Il est déjà rendu à la deuxième cause. Mais euh, je pense que ça va prendre un petit bout. Fait que... Euh, c'est ça. Euh, je vous coupe ça là, puis mec, euh, ça commence à se remplir un peu, comme je dis quand je vais approcher la fin. Euh, je vous ramène. Bon, euh, j'ai fait des calculs parce que je m'emmerdais. <laughs> On doit être à la veille de le voir s'activer, là si j'ai bien calculé mes affaires. Comme là, là. Oh yeah! Oh, oh, hey, il marche le gars, hein? Ah, pas de bon sens. Choc, la, la calculatrice vivante. <laughs> je suis une calculatrice vivante, mais je ne suis pas un dictionnaire. Ça, je vous le garantis. <laughs> fait que, et voilà. C'est ça le montant total que j'ai besoin. C'est parfait. Fait que, moi, toujours un en stock. Quand ça va descendre en bas de ça, le spawner va s'activer. Ça, ça va s'éteindre. Ça va activer le spawner jusqu'à temps que le montant revienne à un niveau nécessaire. Là, ça continue. C'est des. Des perles qui étaient déjà dans le système, qui étaient déjà en route. Euh, ça, quand lui arrive à 12, ting, ça éteint le spawner. Eh oui, c'est génial. Oh oui, uh -huh. à la torche, in your face. <laughs> Excuse-moi, je ne le pensais pas. Je t'aime quand même. Tu pas de particules Ah oui, c'est vrai, je désactivé, les particules pour essayer de réduire la lag un peu. Mais c'est vraiment. Ben, en haut ici, c'est pas si c'est quand je regarde en bas. Je pense que c'est mon. Euh, ça ici. On va aller voir, on va aller voir, on va aller voir. Euh, je pense que ça va être un épisode un peu plus court aujourd'hui, parce que je pas le temps vraiment de commencer d'autres choses. Si je commence d'autres choses, ça va faire un épisode un petit peu trop long. Puis 15, je vais vous tenir en suspense, mais vous donnez ça, donner ça au compte go <laughs> Parce que je suis sûr que vous ne pouvez, pouvez pas attendre que vous êtes. Oh mon Dieu, j'espère qu'aujourd'hui, Chucky va mettre un épisode de Resident Evil Oh mon Dieu. Je suis sûr que vous êtes d'accord. Dans tellement pas là hmm, euh, ouais puis ça je vais en faire un deuxième le deuxième puis je pourrais peut-être utiliser le même coffre non je ne peux pas faut j'utilise un autre coffre même système euh, pour les blazes pour que j'aille toujours un euh, une, quantité, une certaine quantité de blaze rod à ma disposition euh, pour ne pas en manquer. Fait que là, j'ai peux m'inquiéter. j'ai pas besoin de mettre le, le, le safarinette dans le spawner, l'activer. Puis quand je ai assez, l'arrêter. Ça va se faire automatique. Oh yeah, baby! Génial! Génial! son c'est bon, c'est parfait. On le teste-tu? On le teste. Je suis trop curieux. Hein. <laughs> -en, euh, tiens. Oh, pas ça. Ça. Donc, deux stacks. Fait que ça devrait activer le spawner en haut. Comment baby est là, ils sont, ils sont loin des pelles. Mais c'est pas grave, je suis pas pressé. Je suis pas un gars pressé. Je veux dire. Malgré qu'à mon âge, j'ai plus de temps à perdre, hein? Je peux remourir d'une minute à l'autre. Non, je suis pas si vieux que ça. <laughs> je suis pas si vieux que ça. Bon, on sait jamais. Euh, J'ai écouté assez de cartoons, de dessins de, de animés quand j'étais jeune pour savoir qu'à n'importe quel moment, je peux avoir un enclume ou un piano qui me tombe sur la tête. Euh, C'est quelque chose qui me tient à réveiller la nuit, ça. C'est vraiment. <laughs> je fais des cauchemars de tout ça. Salut! <laughs> euh, euh, pourquoi toi? Euh, pourquoi toi tu es sur le plancher? Ok. Il va falloir que. J'investis. Oh, toi, t'es-tu sauvé? Ou ok, là, de c'est que ça vient, ça. Ça, c'est un extracteur, bien sûr. Ouais. Pourquoi qu'il lance mes choses par terre? Hein? Huh. Parce qu'il n'y a plus de destination. Qu'est-ce qu'il y a? Mes coffres sont-ils pleins? Non, impossible. Impossible! Right? Oh, jeez. Ah, oh, Jeez. What? J'ai-tu laissé ça allumé, moi? Pourquoi mes oh, Je déteste euh, Bion souterrain avec ses, toutes ces cochonneries-là. <laughs> Faut que j'aille dire au système. Mes coffres sont pleins, fait c'est pour ça qu'ils jettent mes affaires à terre. Non, oh, c'est vrai, je peux pas monter ici. Ok, on va aller par là. On va dire. Euh, non, Fanny. Pourquoi les machines-là fonctionnent Ah, oh, la. What La machine à miner est à Non, attends un peu, ça se peut pas, on me sent. Hein T'as un peu, on va aller investiguer ça. Ça, poubelle, j'en veux plus de ces blocs bleus-là. Pis toi, l'Enderman, t'assois parce que je suis pas dans le mood. Euh... Il éteint? Euh... Où ça, c est éteint Ou ça, c'est éteint Ça, c'est éteint, n'est-ce pas hein? Je me suis faux-voyé, hein. Mais là, c'est là qu'on voit l'avantage de mon... C'est quoi? Blue schist cobblestone. Là je viens ici. Je fais... Blue. Tiens, 52 000. Tu me nices, tu... Ça va prendre des heures. Mais là, c'est pour ça ce coffre-là, ça va tout aspirer. Tiens, on va au moins commander ça. C'est une coupe de fois... Wow, ça, du <laughs> ça va prendre du temps. Mais là, ça envoie tout dans ce coffre-là, dans l'Ender Chest qui est en haut là. Ok, là. Qui va tout réenvoyer dans le système, qui va envoyer ici, en priorité. Ta gueule, le laser. Ok, les autres qui vont à terre, là, parce que là, j'ai fait de l'espace. Fait que tout va être détruit. Je déteste les biomes souterrains. Ça rajoute tellement de minerais, qui est tellement compliqué à gérer, qui est absolument inutile. Je sais pas qu'est-ce que ça amène dans la vie. Mais, anyways! 1000, pas de problème, ok. 1, 2, 3, 192... 192... ok! Tout va être éliminé, tout va être envoyé dans le système, mais ça va prendre du temps parce qu'il y a 52 000, par de bouton. Mais au moins, ça va faire de l'espace dans mes cas. Là! tout tu m'énerves. <laughs> Tout allait si bien, puis là, c'est tout en de même, hein. Tout va bien des coups, c'est la, la, la débandade. Ah, oh, ça, ça s'est rempli. Il est arrêté. Parfait. Il yeah, génial. Puis on va envoyer ces petits lingots bleus-là dans le système. Où il devrait se reposer. Bon, ben, <laughs> là-dessus, euh... là-dessus, je vous laisse aller. Euh, J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous avez appris quelque chose. Je suis sûr que oui. Ben, certains de vous. Les plus slow, là, les mais non, vous n'êtes pas slow. Euh... <laughs> Je suis méchant, des fois. Je vous demande pardon. Euh... Fait que c'est ça. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez appris quelque chose, si vous aimez les Endermen qui sont lousses et qui me tapent sur les nerfs, euh... de saint germain euh... si vous avez commentaires, suggestions, ne vous gênez pas. C'est apprécié. Vous me lancez dans des bonnes directions. Des fois, des affaires j'avais pas pensé. Euh, comme ce machin là, c'est quelque chose que j'avais pas pensé. Vous m'avez pas dit euh, ça exactement, mais vous m'avez euh, lancé sur une bonne piste qui m'a mené à ça, Et qui m'a beaucoup aidé. Euh, aussi, 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 quoi d'autre ici euh, ça, ça roule depuis tantôt. Ça s'est pas rempli. Pff, génial. Ça s'est-il ça, rempli Non, du tout. Ok. Euh... Fait que, ne pas, laissez un commentaire. Euh, puis, bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne. Hein? Ça, c'est un ordre. Ça en fait du bruit depuis tantôt, ça passe. Ah ben, il va disparaître, là. Fait que, je vous dis au revoir et à la prochaine. Bye-bye!